Bon, par contre. Oh! Ah, mais ça marche plus, Nightbot! Oups. Ah! J'ai. Oh, si, c'est bon, ça marche. Oh, par contre. Oh, faut que je change de froc. Ah, il a eu un coup de chaud avec Nightbot, ça a tout pété là, dans le slibard. Ah non, mais c'était. Tu sais, c'est le P confiant. Et au final. Ouais, c'est le P incontinent. se transforme en P suspicieux. Ah, c'est le moment où... Ouais. Faut pas trop capturer Steam. Attends. Ah ouais, c'est vrai. Quoi, t'as peur? T'as peur de ce que t'as dit? Oui, j'ai peur. Ah oui, c'est vrai que vu la dernière Bah conversation, en plus, à laquelle tu m'as pas répondu. non, en fait, je viens d'ouvrir Steam et je l'ai vraiment pas ouvert depuis 3 jours. C'est rare, mais c'est arrivé. Mais oui, j'ai vu ça aussi et j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Mais bon. Je vais vous capturer le jeu, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Alors, ça arrive. Petits Voilà. instants. Et Voilà. voilà, mignon. Voilà. Alors, le truc maintenant, c'est que, comme d'hab, hein, je vais te dire. Les classiques. Alors, par contre, tout ce qui est niveau exécrable ou quoi que ce soit. Exécrable. Ça dégage, bien évidemment. Hein. Tous les mecs qui sont des fardeaux pour la game, on n'en veut pas. Ça reste chez soi. Ça s'est pas mal passé la dernière Si, fois? Si. il me semble que ça s'était très mal passé. Si, ça s'était très mal passé, je m'en souviens. Ah, quelqu'un a lancé son jeu, laisse-moi deviner. Bah tiens, si j'aurais pu miser 2000 Bah euros à chaque fois qu'il tiens, rejoignait une game, celui-là. le bro, le seul et l'unique. Et du coup, il a pas des bros à ramener là? On va pas lancer à 3, c'est pas possible. Oh, dis donc. Pas à 3! Putain, non, les gars. Flygo, Ah! oui. Allez, go qui lance! C'est déjà ça! Oui. Ok. Ok les gars, plus qu'un, Ok, plus ouais. qu'un! Un, c'est pas compliqué à trouver! Un! Il y en a bien un qui va se Quoi? ramener. Venez quoi, on pue ou quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On vous fait pas envie? On est pas belle? Wesh les mecs. Oh! Matte les cuisses. Pas Allez mal, non? là, putain! Sexy là, Non, putain! c'est... Putain, je me suis pas lavé la chatte pour rien ce soir. Non, mais oh, mais ramenez. Oh! Non, sérieux. Les gars, putain. Non mais y en a pas un qui va venir! Un Hey, seul! allez, sans déconner, les gars! Oh! Bon je baisse Ah, le voilà tarot où là! ça veut, que ça fait bien plaisir! Putain! Merci! Eh comme quoi, suffit de Putain, forcer un peu hein. hein? On montre le minou et paf! Ah Ça ils tombent tous à rameute. chaque fois Ça bordel. rameute tout le monde. Un homme reste un homme. Vous l'aviez pas invité. N'importe quoi. C'est des conneries, conneries. Espèce de malade. Ouais, wow, les mots sont durs, mais juste. Et voilà, trois maps sélectionnées. Bonne chance. Particularité, Je suis mort. le dernier de la game doit 100 euros à chacune des autres personnes. Je suis mort. Il a mis cash. Je suis décédé. Et c'est quoi? C'est C'est Inferno. Inferno. Putain, Ça donne bah pas envie de la cliquer seule sur fois de sa frère. vie où il a mis une autre map, on l'a pas. Bon bah tant pis, vous verrez jamais cash. Tant pis. J'ai fait un effort. Toi, il faut que... Toi, t'as gagné un match sur cash et depuis tu t'es dit, oh ça va. Tu peux parler au pluriel. Ouais d'accord. Bon bah putain, c'est bien, on a rajouté une map au map pool, je suis content. Non mais je peux t'en mettre plein d'autres moi si tu veux, hein. Je suis bon sur toutes les maps.
Putain, tout ce qui lui manquait, c'était ce boost de confiance en lui. Là, il pourrait jouer sur Vertigo, qui serait content. Non, Vertigo, c'est vraiment de la merde. Allons pas jusque-là, alors. Exagéré non plus. Hein. Ah, je vais être monstrueux ce soir. Bah, pour l'instant, je suis juste un monstre. Je me suis échauffé, mais... C'est comme c'est pas permis, hein. C'est de la triche. Oh là là. Hop là. Oui, vas-y, wait. Décale-moi. Quoi, wait? Décale-moi là. Bah oh, je l'avais touché, okay, insane. T'as fait que 2 kills pour l'instant? Ouais, mais c'est que des AFK. Moi, je suis contre un mec hyper chaud, mais à chaque fois je le bute. Et puis que des headshots, hein. Wow, le flic! Alors, le chat, vous pensez quoi? Que... Eh non, mec, t'as beau essayer de me décaler, c'est mort. Vous pensez que je vais avoir quel niveau ce soir? Ouais, oh, je suis insane. Vous savez très bien quel niveau je vais avoir ce soir. Bonjour! Ah, bon. Allô, oh. T'entends? Non, mais j'ai dit zéro! Comment veux-tu? Ah, bah c'est bon, il a enfin réussi à me tuer alors qu'il essaie depuis tout à l'heure. Hein. Oh, je suis énorme! Allez, c'est terminé. J'ai vu quasiment tous les adversaires de la game et je les ai tous défoncés. Donc... Ouais, c'est bon, lui il allait mourir. Monstrueux. Je suis la bête du Gévaudan. Du, ouais, du Gévaudan, ouais. Ça va être énorme. Énorme. Vaudan. Ouais, allez hop. Allez, ça rush à banane, les potes. Allez, essayez de rester au niveau. Ok, j'ouvre. Essayez de suivre le niveau qu'on va imposer dans la game. Attention, une sacrée HE, ça. J'ai 12 HP. Ouais, j'ai 12 HP. C'est une sacrée HE, je dirais. Mais on est solidaires, on y va. Oh, c'est du derrière. Silver en face, hein. Ouais, bah putain, il en a du HP, lui. Salopard. Eh, hey, excuse-moi. Oh, mais ça, c'est pas un rush de merde. Banane. Il y a eu de l'autorité dans ce rush. Et j'aime ça. Ouais, vas-y, fais-le, fais-le, vas-y, humilie-le. Quatre-le, quatre-le, ouais, c'est bien. Il y a plus qu'un mental, ouais. Ce connard. Ouais, j'ai bien dit connard. Bien mérité, mais bon. En mode, c'était un truc de dingue. Ouais, j'ai bien dit connard, ouais. Ouais, j'ai osé le dire, mais ouais. Putain, merde. Ouais, t'as raison, t'as AK, AK direct. Elle change d'AK avec moi, tu vas voir, elle va te donner du courage. Ouais, let's go. Wouah, putain, c'est l'AK moche que j'ai vu l'autre fois. Énorme. Je vais te TK, c'est parti. Attention au ban, mon frérot. Ça faut se retourner contre toi. On... Ok. Wouah, je prends des casques de fou. Comment ils m'ont mis... Ils sont en écho, les connards. T'as pris une tête. Comment ils me mettent oh, des casques comme ça? Oh, la tête que je me suis prise. Mais oui, moi aussi, il me défonce, lui, c'est un ouf. Oh, moi, je reste derrière vous, j'ai plus beaucoup de vie. Oh. Allez, Zerk est en train de TK ses mates. Oh, il faut mettre une contre-écho. Ah non, pitié, pas ça. Pas ça. Bah, vous êtes 3 contre 3. J'en étais sûr. Le brain a parlé cette fois. Importe. Heiser qui rush. Et ça finit par payer, sac à merde. Il arrive. Oh là, donc ils mettent des têtes. Respawn terreau. Il faut l'éliminer. Ah le... Je vais l'avoir lui. Le lâche. Ok. Il nous tuera pas tous. Il nous tuera pas tous. Arrête de te cacher. Oh. Putain. Ok, on rééchange d'AK. J'ai pas aimé la critique. Achète-moi une AK. Ah, elle est pas tombée dans mon piège. Dommage. Je mets une tête en mid. Avec l'AK? Oh, j'ai eu deux occasions.
touché. Oh, je suis mauvais, dis donc. Redonne mon AK. Un à gauche, un à droite, Flygo. Ok. Allez, B, on fait une blague. Ils sont là. Fais-toi tuer. Bah, biblio et sur le site et. Elle est où mon AK? Oh, le connard, il a dit fais-toi tuer et je me suis fait tuer. Ça m'énerve ça. Regardez-le. Oh bon sang, ouais. Tout ça est récompensé en plus. Mon AK. La belle game de merde contre des silver là. Attends, dis pas ça parce que c'est que le troisième round. Hein. J'ai connu des retournements de situation. Tu te souviens de la remontada qu'on a faite? Bah, ils pourraient très bien la faire de leur côté. Non. Ok. Ils grident un peu en mid, ils prennent toujours un pic. Un jour ils vont le regretter, je pense. Oh là. Quoi? Petit mid? Un pro? Un joueur pro? Petit mid? Petit mid? Petit mid? Oh oui, tu vas le surprendre. Il est surpris. Il sait pas ce qu'il fait. Quoi? Faut que je suis. Pourquoi il est. Ah. Un petit pied. Petit mid. Attention à tout ça. Oh putain. J'ai pas la bombe en fait. Heiser a déconné hein, je te le dis. Oh. Ah oh. Quoi? Hein? Pourquoi? Quoi? La fumée. Bah, la fumée elle est pas invisible. Attention à la fumée quand même. La fumée là. Faut pas faire ça. Vous avez pas vu, il y a de la fumée. Ouais, attention quand même. Elle est opaque et grise. Pourquoi on a tous le même réflexe de faire ça à chaque fois que quelqu'un active son micro et il dit rien. C'est une écho là. Ah bah pas ah. Pour tout le monde. Putain, c'est un truc de ouf ça. Allez, j'attends de ramasser une arme. Bien joué. Bien joué ça. C'est top. Merci. Prochaine fois, fais-le sans te faire toucher. T'es la patronne dans le Diable Savoyant Prada. Ouais, sûrement, je m'en souviens pas, mais. Tu fais genre des débuts de compliments, en fait, c'est méchant. Mon pistolet! Qui a rigolé avec le truc de mon pistolet qui vient de se passer? Vous avez rigolé? Une drop à gauche. Au revoir. Un mid. Il va passer ou pas? Passe. Dans 3. Ah, vous êtes 2. Donc des petits trollers dans le chat. Pourquoi? Des petits trollers. Parce que ils rigolent quand je meurs. Ils disent que voilà, ils aiment mon malheur actuellement là. Oh, vous me le mettez ce round. Et où est-ce que je suis moi? Il y a 8 secondes. Hein. Putain, mon AWAP toute neuve. Et la bombe. Il y en a un sur B. Ours aveugle, un héros. Ours aveugle, un héros. Parce qu'il a fait la seconde. Faudrait pas tout gâcher maintenant. Personne. Eh non. C'est moi qui vais être le héros. Tu veux te faire ban? Non. Ça. Bon, faut que je me réveille un peu là, les gars.
Je sens que j'ai beaucoup de potentiel, mais je suis pas dans les bonnes situations. Ouais, vas-y, montre-nous. Hein. Non, j'attends. Justement, je grid trop au début de round et du coup, je peux pas exprimer mon plein potentiel. Donc, à partir de maintenant, je vais être raisonnable. C'est important. Waouh, bah monsieur, vous avez de sacrés réflexes. Ah, derrière moi. Sérieux? Ah, le rush des familles. Je parle pas de vous, parce que vous, vous rushez pas alors qu'on est terreau. Pas mal de spray. En tempo, c'est différent. T'es dernier au classement, ça te fait quoi? Tout peut changer. Ah, il est pas mort. Ouaiaya. Putain, j'ai vraiment un potentiel énorme, mais à chaque fois, c'est unlucky. Un B, il n'y a plus qu'un B maintenant. Il n'y a plus qu'à comme on dit. Ouais, puis je l'ai mis au HP donc j'ai quasiment gagné le round pour toi. Vous avez mangé quoi vous avant? Moi j'ai mangé une petite pizza quoi, c'est pas mal. J'ai mangé des pâtes à la sauce tomate. Omelette. J'ai mangé des... J'adore. Ça va pas? Ah. J'ai mangé un steak haché avec des frites. Non. C'est trop bon ça. Tiens, marque des points. Merci, man. Tu me la donnes? Go tag. Bizarre qu'il y ait personne. Très bizarre. Oui. C'est bien ce que je me disais. Throw in smoke. Y'a l'un qui est là, il marche, il essaie d'être discret. Une wap banana. Oh. Et un pharmacie. Allez, dis. Je t'ai sauvé la vie. Non. Mais pas... putain, je le vois. T'as un bac. Je vais en mets. Prends le sournois. C'est quoi ça? Il y a un gros lag. Ouais, il y a un énorme lag là. Non. Il y a encore un spec, c'est l'un d'entre vous qui le ramène, Flygo, je suis sûr que c'est toi. Non, c'est écoute, pas moi, c'est pas t'es moi. Le point commun, t'es le point commun, fils de pute, t'es le point commun. Eh ben je partirai. Flygo, c'est un hacker. T'es celui qui, quand il se vient, t'as un mec dans ton des amis Steam qui est un mec pas drôle, qui dédose, bouffon, t'as des gens pas drôles dans ta des amis Steam, de merde. Je sais pas qui c'est moi, personne pour eux. Va regarde sur Steam, qui c'est que sur CSGO là. Putain non, il doit être offline. Ah, j'ai personne. C'est Flygo, c'est sûr que c'est lui, ça, et la dernière fois, toutes les fois il s'est rien passé et c'était Flygo le point commun à chaque fois. C'est à dire que c'est... Oh, c'est bon, vas-y. Mais dis donc. Vas-y, mais du coup c'est loose là. Oui c'est loose, le mec va payer jusqu'à DDoS le serveur. C'est sûr que c'est pas Aether, Ours ou... On a déjà fait des matchs avec eux, ça s'est bien passé. Mais c'est incroyable. Délète tous tes amis. Eh dégage tes amis Steam pas drôles là, ils sont capables de faire ça là, dégage-les. Il y a personne qui joue à CSGO. Bon bah... Go FF hein. Non on peut pas. Mais à un moment le serveur il va crash. Oui. Putain.
Oh là là, mais c'est infernal de jouer. Je sais même pas où je suis en fait. Je sais même pas ce que je fais, je sais pas où je suis. Ah si. Déjà Steam, wesh, faites un truc, non? Ouais, c'est un truc de ouf ça. Genre, y'a quand même vachement une faille dans votre système. Ils en ont rien à foutre de ça? C'est quand même une grosse, un gros problème. Non, parce qu'en fait, imagine, t'es un russe qui perd ton match. Enfin, t'as juste à envoyer un pote pour dédos le serve. Non, mais, alors, Razer, si tu crois que je comprends ce que tu dis. Compte non connaissait Steam. Ah. Ils sont tous des cons en face, on va gagner. Putain, on est en train de gagner, ils ont tous quitté. On gagne. Nice. On gagne. Ah non, ils reviennent. Merde. Bon, ça va pas tarder à crash. Le problème, c'est qu'il faut mettre 16 rounds comme ça. Ça va être technique, hein. Regarde, Flago, si t'as pas des gens dans ta liste d'amis qui sont en ligne. J'ai personne. Non, mais récemment. Mais. Oui, voilà, regarde les mecs récemment mis hors ligne. Parce que le gars, c'est mis hors ligne, trou du cul. Le mec qui est dans ta liste d'amis Steam, il va pas dédos en lançant CSGO devant toi. Il va se mettre hors ligne. Oh là, c'est crash. Ou alors c'est... Ça y est là. Enfin, moi, c'est crash. Là, on est sur un crash là. Alors là, comment on fait? Et je te jure, là, on relance un match, sans Flygo, 90% sûr qu'il n'y a aucun spec. Bah faisons-le hein, pour vérifier. Je vois que lui pour avoir des mecs comme ça dans ses amis Steam pour aider DOS. Il n'y a que lui. On a joué avec Ours et Aether plein de fois. Mais là on va abandonner, on va forgive le match alors que... Non mais Steam, vous pouvez pas nous faire des ranks et nous mettre des loses avec ça. Genre à un moment donné, regardez vos serves. Mais je crois qu'il y a un moment donné où genre ça abandonne le match. Ouais, on va pas attendre 1000 ans. Attends, je me reconnecte, voir si ça marche. Ça va même pas relancer, je crois. Oui, d'ailleurs, oui, c'est vrai que si on abandonne, on prend 30 minutes de... Enfin non, toi tu prendras plus parce que t'avais déjà été dégagé d'un match. Oh, c'est un plaisir. La dernière fois qu'on m'a dit ça, c'était Léopold qui m'avait dit qu'il y a un mec qui regarde la game en spectateur, il peut dédos en serve. Donc on avait vu, Léopold avait un doute sur lui-même et sur Flygo. Léopold n'est pas là. Désolé, les taux se resserrent. Ouais, après c'est pas sa faute, hein. Il peut pas savoir. Enfin moi, désolé, mais quand t'as des fréquentations de merde, à un moment donné, il faut se poser des questions. Oui, mais bon, il peut savoir quand même. C'est pas sa faute. Bien sûr que si, c'est sa faute, et je lui dirai tout à l'heure. C'est la faute du mec qui dédose. C'est sa faute. Il le sait. Les gars, calmez-vous, Flygo, je suis avec lui tous les jours. Arrêtez de faire genre... Ah, tu vas déchoquer. C'est mon pote. Je suis avec lui tous les jours. Tous les jours. Donc... Cassez-vous, là, les victimes. Par contre, on peut même pas se reconnecter. Non. Ah, c'est loose, hein, c'est loose. Bon, voilà. C'est salut. Mais on peut pas abandonner, sinon c'est mort. Exact. Mais ouais, mais si on abandonne, on prend un...
Ah non, mais c'est. Pour une sanction? C'est un peu fini là, en fait. La dernière fois, on pouvait se reco, mais là. Là, je crois que. Crois que c'est mort là. J'essaye, hein. Je sais en boucle, Ouais, moi mais. aussi, ouais. De toute façon, on peut rien faire d'autre, hein, donc. Mais à un moment donné, Steam va bien se dire, ok, là, il faut dégager, non? Lâcher le match? Mais quand est-ce qu'il décide qu'il y a un forfait à cause de leur serveur qui tienne pas? Ah, c'est bon, j'ai plus le. Ça me dit plus rien. Ça me dit plus rien là. Ouais, peut-être que c'est bon. Ouais. Vas-y, invite. Vas-y. Bah vas-y, hein, go relancer. Bon, je sais pas s'il y aura quelqu'un d'autre là. Y a Merlu qui joue. Eh bah tentons alors. Merlu, par pitié, t'as pas lancé CSGO pour rien. Il a lancé CSGO pour des doses. Le mec s'est fait cramer. Depuis le On début, sait que c'était c'est toi, Merluc. Merluc, putain, t'es un malade. C'est bon, il est là. Il a aucun rank. Je dis pas que c'est. Let's go. Je dis pas que c'est inquiétant. Salut, tu connais le jeu? Non, tu connais l'enjeu? Tu sais ce C'est que 10 000 euros. c'est? T'es bien sûr? Putain, si jamais je vois qu'il y a un spec et qu'on se fait des doses, Je ça regarde remettra tout en cause. chacun de mes amis avec un œil suspicieux. Non, mais c'est pas possible. T'as pas me dire que c'est genre Amixem qui me dédose. Si. Le mec, Putain, le c'est dimanche soir, il a rien à Amixem. foutre. C'est Il sûr. me dédose. C'est sûr, c'est lui, putain. Bon. Ah, c'est marrant. On va savoir. J'imagine 16 heures depuis le début. Oh bah, ça ne m'étonnerait pas ça. Sacré loubard celui-là. Merluc a quitté. Ah mais Merluc, t'as pas lancé pour faire un test? Attends, prépare le DDoS. Merluc. En plus, hey, à moins que ça ait changé, c'est payant, non? Je sais pas, en vrai, j'en sais rien. Ça dépend, mais oui. Si c'est un mec qui connaît absolument rien, oui, ça doit forcément être payant, mais. Je sais pas. Tu peux. Comment tu fais sans que ce soit payant? Genre, si tu veux le faire toi-même, tu peux pas. Merluc me dit, mon jeu se lance plus. Je vais péter les plombs. Bon bah. Je vais péter les plombs. Grosse soirée. Non. 3 minutes 20. Il a 3 minutes 20 pour le lancer. Ça le fait. Suffit d'avoir l'IP. Oui, mais là, il était en spec.
Oui, il faut être en spec en fait pour l'avoir. S'il est en spec. Tiens, bah y a d'ailleurs. Là, y'a un spec. Marrant, non? Attends. Y'a un spec là. Attends. Alors. Ce serait quand même pas Flaego qui aurait lancé le jeu. Heiser, Oursol. C'est vrai qu'il y a un spec là. Donc c'est sûr que c'est quelqu'un qui est dans la liste d'amis de quelqu'un. Mais oui, alors peut-être pas la nôtre, mais ça va pas être une équipe en face qui à chaque fois... Non, non, je pense pas. Mais... Et Attends. Les serveurs... Ils changent d'IP à chaque fois qu'on lance un match. C'est pas une IP fixe en fonction de... Non, c'est pas le même serveur. T'es sûr? C'est bizarre. Et pourquoi on peut même pas avoir le droit de savoir qui est en spec? C'est un truc de ouf ça. Attends mais... Pourquoi il y a un spec? Ça peut venir d'en face. Non mais je sais que ça peut venir d'en face. Mais enfin, on ne compte pas contre des mecs qui à chaque fois ont un mate qui fait ça. C'est bizarre quand même. Merluc qui est dans la merde. C'est un peu bizarre là. Je vérifie le jeu. Bon, Merluc il a le pire PC du monde. Bah, de toute façon, j'ai pas trop envie de faire la game s'il y a un spec. Mais pourquoi on n'a pas le droit de voir qui est en spec? Avant, on voyait le nom des joueurs en spec. Ouais. Tu voyais le pseudo des joueurs. Et là, ils se sont dit non, on va garder cette info confidentielle parce que quand même, c'est l'anonymat des gens qui regardent un match, c'est la moindre des choses. Personne joue à CSGO là. C'est quand même pas Big Hacker qui est en train de spec. Ah, j'ai pas la console. Non, j'ai pas la console. Ouais, moi le problème c'est que j'ai pas la console donc je peux même pas avoir l'IP. Peut-être que si tu fais status, t'as la liste des joueurs et donc des specs, comme il dit. Bah, quitte et mets la console. Attends, parce qu'il y a 13 secondes encore, j'ai peur que ça me dise que j'ai abandonné ou un truc comme ça. Non, ça, tu peux pas, tu as le droit de partir et de revenir. Vas-y. Console. Qu'est-ce qui s'est passé? Merluc a abandonné le match. Attends, quoi? Il s'est passé un truc? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Non mais t'as vu ce qui s'est passé ou pas? Non. Mais... Ah non! Vu qu'il a pas rejoint, ça a annulé? Ok, je croyais que ça lancerait la game quand même. Ouais, je crois que ça lance pas. Mais pourtant j'ai déjà fait un match avec un mec qui manquait dès le début. C'est quoi la touche Putain, je peux pas, je peux cliquer nulle part parce que la console... Il faut vérifier que l'IP... Si je... L'IP change. Ah mais là je fais 2 mais ça l'ouvre pas la console. C'est de la merde, ça m'a jamais marché ce truc de console. Mais il veut quoi ce fils de pute? Mais ferme ta gueule! Qu'est-ce qu'il y a? Non, mec, il arrête pas de m'ajouter là. Ta mère! Il arrête pas de m'inviter dans une game. Ta gueule. Mais c'est vraiment un jeu de merde, CSGO, c'est un truc de ouf! Regarde! Arrête! Grosse pute. J'ai rejoué. Tu lui as dit ça? Il va répondre. T'as 12 ans. T'as 12 ans gros.
Réponds. Tocard. Bon, je peux pas rouvrir la console. Afficher masquer la console. Ouais, normalement, si t'attribues une touche, c'est bon. C'est bon. Ok. Je te rejoins. Vas-y, ouais. Vite. Attends, Terra, tu penses pas que le gars peut faire ça depuis l'onglet diffusion qui partage votre live sur le jeu? Mais on a notre live qui est partagé sur le jeu? Y a pas un truc pour éviter ça? Enfin, normalement, on le diffuse non, pas. Je non, je crois pas, justement. On le diffuse plus, c'est parce que. Justement, on a les mecs savaient qu'on liveait parce qu'avant, il y avait marqué temps de viewer. Quand on faisait tab. Et on avait désactivé ça pour que les gens puissent plus le voir. Donc, il me semble que. Ils peuvent plus voir nos matchs in-game directement. Et tu vas pouvoir avoir le nom du spec si jamais il y a un spec. Pas forcément. Mais quelqu'un le supposait. Je sais pas à quel point il était sûr de lui. Il doit certainement add les mecs d'en face comme l'a dit quelqu'un dans le chat. Oui, c'est possible aussi, mais... Putain, c'est aussi une possibilité. Non, mais on s'en sort plus après. Bah oui. Parce qu'en fait, il suffit qu'il y ait un mec qui soit suffisamment dans misère sexuelle pour DDoS constamment. Et il attend à chaque fois qu'on enlève pour le faire. En fait, il y a tellement de façons différentes après de pouvoir avoir accès à l'observation des matchs que c'est plus possible pour nous de live sur CSGO. Là, il n'y a pas de spec. Est-ce que tu l'aurais pas fait peur avec ton histoire de... Je sais pas. Hein. Attends, ou alors tout à l'heure le spec manquant c'était juste Merluc. Enfin le spec qui était en 1. Ouais, et à la fois, là je regarde les gens join, il y a jamais marqué qu'ils sont en spectateur ou quoi quand ils chargent, tu vois. Enfin... Il est où là? Donc là il va pas revenir. Pourquoi? Ou alors pas pour l'instant. J'ai deux solutions. Soit il attend que ce soit vers la fin de la game où on est en train de dominer pour nous faire perdre du temps. Petit B, il doit aller se coucher parce qu'il y a école demain. Mais non les gars, je suis pas sûr que ce soit forcément le mec qui me spammait d'invite de game là. C'est pas forcément lié hein. Oh non, ça n'a rien à voir ça. Parce que ça c'est facile à faire. Hein. J'y pensais même pas. Ok guys, I go A. Mais pour l'instant j'ai un doute. B. B aussi, ouais. Hello. Heather, il a alors Heather, on a un doute. Heather, on a un doute sur ses amis. Ah bah il était plus proche de toi que moi Terra. Ça commence par R, ça finit par Edus. Non, ça n'a rien à voir. Non, mais là, même 200% sûr. Hein. Vous êtes agile. Bombé. Banane. Ouais, y'en a deux en bas de mid. Boost me play. Coming. Sympa Julien Wolf. Il a fait quoi? Je sais pas, il parle, il a l'air sympa. Un super mec. Ouais, moi j'ai fait une game hier avec un mec que je trouvais super sympa. Au bout du 6ème round, il a commencé à me T4, il me donnait ma position quand j'étais en fin de clutch. Ça arrive B. Eh ben, super. Bien nettoyé ça. Good Wolf. Julien, yeah. Are you French? Because your name is Julien. Julien? Julien? Yeah! Farkas, Julien?
Where are you from, Julien? 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 Hungarian. Oh. Can you write? I don't understand. Hungarian. Like Hungary. Budapest. And your name is Julien? That's so weird. Fais table régulièrement avec une petite boule au ventre. C'est vrai que je le faisais plus, mais... Peut-être que le spec c'était Merluc hein, sur celle d'avant, c'est possible. Oui, c'est possible puisque je sais que quand un mec essaye de rejoindre quand il était déjà dans la game, ça le met en spec. Seulement il me semblait que ça le faisait disparaître au bout d'un moment, et là il est resté. On en aura le cœur net au bout de quelques rounds. La PP Terra cache la PP. Non mais ça on n'y peut rien les gars. C'est... Vous inquiétez pas. Twitch a d'autres chats à fouetter qui essayent de nous punir parce qu'il y a un mec qui a une PP en face. Avec j'arrive même pas à voir ce que c'est au final. Ils sont là. Bon bébé. I coming. Vous avez la bombe ou pas sûr? On l'a. Banana one. So, how is Hungary? Is it a good country? It's near Austria. Tell me about Hungary, Julien. Hein? On dirait que tu l'accuses d'être le mec qui dédossé. Holy shit, man! This is CSGO gameplay. Only CSGO. Julien? Can I get a hole, yeah? Oh, okay. What is your favorite food in Hungary? Go, go, go! Come on. Okay, don't respond, fils de pute, va. Je fais des efforts pour parler avec toi, tu réponds pas, ça te chiant, va. Please. Oh mais tu me chutes. Oh il t'a chuté. Tu me knock. Mais faites pas DOE le chat. Il est content maintenant, ça se trouve il sait. Il y a un spec. Non. Et si. Et si. Attends. Under. Merde, je sais pas depuis quand. Demande au mec en face si l'un d'entre eux a ajouté sur Steam. S'il vient d'ajouter sur Steam quelqu'un. Maybe A. C'est vraiment depuis pas longtemps. Il y avait pas tout à l'heure, je faisais tab et il y en avait pas. Donc là, c'est entre le premier et le deuxième round. Ça arrive à part. Damien. Ils vont pas répondre. Hein. Bon, appartement. Ça affiche pas les specs. 10 humains, 0 bots. 10 sur 10. Et le spec, connard. Bon, par contre, là, j'ai montré l'IP. Mais ça, c'est autre chose. Mid. Ah, en fait, le. Ouais, ça, c'est notre tambouille. Le viewer qui voulait. En fait, il m'a dit de mettre la console pour voir l'IP. Il est malin. Yeah. Not you. Bon, de toute façon, là maintenant qu'il y a un spec, on sait très bien ce qui va se passer, hein, les gars. Thank you, my friend. Sorry. Ah! Ça te fait tous. Mais il faut répondre! Ils sont très silencieux ces connards hein.
Mais toi, je comprends. Mais pourquoi? Pourquoi il n'y en a pas un seul connard qui veut répondre? Joule, il a juste répondu à la question, c'est toi, Joule. 100% c'est le spammer. Mais les gars, vous faites un lien qui n'est pas du tout forcément lié. En plus, il se dénoncerait lui-même. Comment? Ok, go. What is this, guys? Suspect détente de serveur, yes, you know. Bah écoute, Julien. C'est pas drôle, Julien. Si tu le prends bien. Julien, tu m'emmerdes à rigoler. Rapporte monnaie. Oh, bah je l'ai pas volé celle-ci. Hey. Comment le mec obtient. Déjà, est-ce qu'on est vraiment sûr? Tu sais quoi? T'as affiché l'IP. Oui. Garde-la de côté, pour qu'on soit vraiment sûr que on n'est pas une IP attribuée en fonction de qui créait la game. J'imagine que non, mais j'en suis pas certain. Je pense que la solution c'est qu'on crée des smurfs et qu'on joue avec des smurfs sans amis, à part nous. Je veux pas perdre mon rang. Mais... Ok, pardon. Mon smurf. Mais il y a eu un message bizarre dans le chat, mais pour l'instant je ne le crois pas, mais ça coïncidait étrangement avec ce qui s'est passé dans le DDoS là. Mais très étrangement. Bah, en gros, il y avait un mec qui parlait anglais, il avait un pseudo d'allemand, et il disait: je t'ai dit que si tu faisais pas 2 kills, je DDoserais. Et il a dit: mais là t'as fait 2 kills, et après il a attendu genre 30 secondes, 1 minute, et après il a dit: mais là t'as fait 2 kills donc c'est bon. Et à ce moment là, ça a arrêté de DDoS. En mad mid. Mais je pense que c'est une curieuse coïncidence. Mais je sais pas, c'était un mec qui parlait anglais chelou et il avait pas l'air de faire semblant de parler anglais. Tunnel. Alors là, on a affaire à quelque chose d'extraordinaire. Non mais je sais pas, c'est pas peut-être pas. On aurait donc un maître chanteur. Le maître le maître chanteur. Non mais ça se trouve, j'hallucine, tu vois. Mais en vrai, ce qu'il a dit, c'était... Et le mec qui m'a ajouté tout à l'heure, en boucle, c'était un Allemand. Tunnel. Mon dieu, mais les taux se resserrent. Non, mais après, je sais pas, tu vois. Mais bon. Comment on dit what? Qu'est-ce que tu veux en allemand? Le chat, s'il vous plaît. On a besoin de vous, là, les LV2 allemands, là. Le bannez surtout pas. On doit parler. Laissez-le. Avec le... On doit Faites comme si vous étiez gentil, même. On doit. Parler au corbeau. Pourquoi les Allemands en auraient après vous? Très bonne question. Qu'est-ce qu'on aurait alors ça, alors ça, je me le demande. Next round, you make 2 kills. If not, you get DDoS. Ok, let's go. Attends. Let's go. You are the maître chanteur now. 2 kills, ok. 2 kills. Attends, on va voir. Si j'en fais pas 2. Attends, tu sais quoi, j'essaye d'en faire 2. Déjà. Oh no, but I don't have the money. Oh, thank you. Non mais fais-en 2 là. Oui, j'en fais 2. Non, attends. Dis donc, c'est la merde. Là, il me terrain, il met la pression. Attends, mais fais-en 2, t'es malade. Non, mais, je commence à être du côté du mec. C'est ta faute. Non, par contre, là, sérieusement. Bon. Ok, 2 kills. 2 kills. Allez, faites pas trop de kills en face, sinon on est foutu. Ok, 1. Wow. Ok, tout. Ok, tout. Tout, okay, no DDoS. No DDoS, we are safe. Ok, tout. Ok, tout. Calm down. Banana one. Imagine, c'est un piège. Si t'en fais 3, il avait dit 1. Oh, j'avais dit 2, pas 3. If I get 3. You never DDoS in the game, ok? Go banana, guys, purple push. No, okay.
Prononce-moi son pseudo bien à la française pour pas qu'il capte. So make two kills. Ok, so every round I must make two kills if not two DDoS. Every round. Tu fasses deux kills à chaque round. Mais attention, le maître chanteur est exigeant. Mais on, il va s'arrêter quand? Ça pourrait être très bien. Non, non, mais trois kills. J'ai fait. Ok, so why did you DDoS just now? You're not the maître chanteur. Ah, I knew it. You're not fait le maître chanteur. You're not the one who DDoS. Vous êtes des gamins. Il est con lui ou quoi? Bien fait. Pas nous. I made two kills and there is DDoS, so you're not the maître chanteur. Ok, donc là c'est une fausse piste. Someone else. C'est pas notre maître chanteur. He's not the master singer. Master singer. You're not the master singer, so who did this? Oui, je sais, il m'insulte en allemand, mais j'en ai rien à foutre de ça. Mais alors... Info. En fait, il faut qu'on contacte Steam et qu'on leur dise, voilà le problème. Ouais, et Steam, ils vont dire, ok. On s'en fout. Ils ne peuvent pas décemment nous pourrir la vie. Mais attends, en plus, en fait ce que je comprends pas c'est que, encore une fois qu'on soit bien d'accord, il y a une énorme faille dans le système puisque les joueurs en face ont tous l'adresse IP du serveur. Oui. S'ils perdent, ils ont juste à DDoS le serveur. Oui. Et vraiment, Steam se dit, ok. Oui. Mais c'est scandaleux. En vrai oui, ils ont l'IP. C'est scandaleux. C'était courageux. Ouais, j'ai cru qu'il tiendrait plus longtemps et en fait non. Dommage. Et qu'est-ce que répond Steam à ça? Rien, enfin, comme d'habitude. Comme d'habitude. Non, parce que pour nous sortir des opérations à 17 balles, des clés à 2,10 pour récupérer des skins à 5 centimes. Le sergent Rouchard à 45 étoiles. Il y a du monde. Le fait qu'il soit pas arrivé tout de suite dans la game mais qu'il ait mis un peu de temps, ça me conforte dans l'idée qu'il ait ajouté quelqu'un d'en face. Ouais, mais là il nous l'aurait dit les mecs. Mais non, parce qu'ils sont débiles. Ils répondent pas, ils sont nids. En tout cas, je pense que l'allemand est une fausse piste. On a affaire à un mec qui sait qui on est. Quoi? On peut essayer de communiquer avec lui. Si tu sais qui on est et que tu nous aimes pas trop et que tu es français, arrête le DDoS et fais-le quand on a fait 10 rounds. Pour que tu sois non, plus content, c'est trop long. 9 rounds. 7 rounds. Bah là on en a fait 7. Quand on arrive à 7, quand tu rends DDoS. Notre 7ème round, comme ça, DDoS. On va communiquer. Si tu es français et que... Non, juste si tu es français et que tu nous connais, pas besoin, parce que je sais très bien qu'il y en a qui peuvent nous DDoS alors que c'est pas qu'ils nous aiment pas, hein, c'est que ils sont dans la capacité de le faire. Donc, tu vois, juste, bon. Oui. Bon, je suis d'accord avec toi, c'est contradictoire, mais... Si tu comprends tout ça... Si tu es français et que tu sais qui on est, on va communiquer avec les DDoS. DDoS-nous après la victoire du 7ème round. On est pédant, je crois qu'on va mettre cette round. Ouais, c'est déjà un objectif, hein. Ça avance, mid. Par contre, Terra, je te le dis tout à l'heure, dans l'onglet diffusion du jeu, on pouvait voir votre match. Ouais, mais dans ce cas-là, il y aurait plus de gens. Là, pourquoi il y a un spec? Ok, si c'est le cas, vas-y, regarde notre match. Si c'est le cas, vas-y, let's go. Va le voir et montre-moi qu'il y a 2 specs, 3, 4, 5, 10. Moi j'en vois toujours un. Ouais.
Donc ça m'étonnerait que notre match soit dans l'onglet diffusion. En bas des escaliers. Bon, c'est bon, on pouvait bannir l'allemand là, c'est... il est plus intéressant. Oh là là, tu as fait la connerie de trop. Ok, 6 rounds. Tiens-toi bien, jeune francophone. Attention, ça va pas tarder, on va te laisser le faire, attends 2 secondes. Pour ça, on communique, là, c'est plus drôle. Le 6ème. Au 7, hein, 7. Le 7, décale 7 d'affiché. Quand le 7 s'affiche, balance la sauce. Pas avant, sinon c'est pas drôle. Sinon on comprend pas, du coup on peut plus communiquer. Sinon on rigole pas. Ah. Bah non, mais là on ne. Bah là t'as. Ça n'a aucun sens cette discussion, ça n'a ni qu'une tête. Là, mais on s'est mal compris. Alors là il y a un quiproquo, je suis désolé. Ah non, non, alors là on s'est mal compris. You must kill your teammate. Ok, it's not you because it's already crash. Fuck you and get banned. Complètement débile lui là. Ça veut dire que le mec qui dédosse ne me comprend pas. Ouais. Ouais. Vous me dites que le mode streamer permet de cacher les pseudos d'en face. Ou c'est des conneries que vous me dites. J'ai lu ça dans le chat. Pas dans rien. Oh, on a 17, on a 17. Non mais là, cherche pas, il... il veut pas communiquer. Il y a une option pour masquer les pseudos. Et ça masque aussi les avatars. Comment on fait pour faire ça? Ça se joue bien, mais le problème c'est que le nombre d'options qu'il y a sur CSGO... Masquer les images d'avatar. Tout masquer, afficher seulement les contacts. Ouais. Simplifier les noms. Ah bah tu vois, oui. Déjà il y a un truc qui est sûr. Twitch.tv, partage du profil CSGO, désactivé. Chez moi c'est comme ça et à mon avis chez toi aussi. C'est où? Dans les options, tout à droite, il y a un truc directement Twitch.tv. Ah oui, désactivé. Et moi tout en bas c'est désactivé, donc ça peut pas être le diffusion. Ouais. C'est quoi le truc que tu me disais, le mode streamer, c'est dans où? Dans communication, masquer les images d'avatar et simplifier les noms. Tout masquer. C'est seulement contact, oui. Simplifier les noms, oui. Voilà. D'accord, mais j'ai quand même l'impression que ça va pas suivre. Ah tiens, est-ce que tu peux vérifier si on arrive à se reconnecter que le serveur a changé d'IP? Est-ce qu'ils sont pas trop cons et ils ont un roulement de serveur? Attends, quand je vais parler à Gno, je vais parler à lui. Ah non, Gno. Je peux plus. C'était celui qui m'invitait en boucle là. Est-ce qu'il me réinvite en boucle? J'aimerais bien. Are you the Master Singer? Tu veux quoi? Tu disais quoi? Bah je sais plus du coup. Ah mince. Qu'est-ce que je disais? Ah oui non. Si on arrive à se reconnecter, check si c'est toujours la même IP. Okay. Mais sans afficher l'IP sur le live. Okay. Parce qu'avec un peu de chance, ça roule, tu vois, genre dès quand il y a un serveur qui crash, ils en mettent un autre. Ok. Je sens qu'on va pas arriver à ce reco. Ouais, bah ouais, pourtant la dernière fois on avait réussi. Ouais. Il a ban l'allemand et le serveur a crash. Putain, les gens commencent à faire des rapprochements. Non, 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 non. Ça correspondait pas. Je lisais ce qu'il disait. Ça correspondait pas du tout. Bon. Pas du tout. Voilà, j'ai. Est-ce que quelqu'un a des nouvelles de Zod? C'est curieux cette histoire. Surtout. C'est pas que les deux événements sont liés. Surtout que. Ouais. La période est. C'est difficile de pas croire que. Hein, c'est. Bon. Parfois, la solution la plus évidente est la bonne. Je vais pas y arriver. Hein.
C'est curieux, hein. Voir des doses aussi facilement à un jeu comme CSGO. Tout, c'est pas un jeu récent, quoi. Et puis c'est pas un jeu qui est peu joué. C'est quand même... Il y a des streamers qui font des... Genre des streamers qui font quelques milliers de viewers régulièrement sur CSGO, qui font des matchs et tout. Genre vous avez des noms de streamers qui font ça? C'est oui. Qu'est-ce qu'ils prennent comme mesure de sécurité? Ils se mettent en mode streamer. Ouais, mais il n'y a pas de mode streamer. Est-ce que ça va suffire? Quand tu dis mode streamer, tu veux juste dire cacher les avatars des autres et leur mettre un nom simplifié? Ouais, je pense. Dans ma liste d'amis, j'ai un ancien pote à moi et sa meuf était mon ex du coup, après lui. Est-ce qu'il est rancunier à ce point-là? Oh merde. Du mal à bon, le croire. Bah voilà, ça a terminé le match. Du coup maintenant c'est un autre mec qui m'invite en boucle. Je vais lui parler. Hello. Ah bah le mystère s'épaissit. Are you the master singer? Are you the master singer? Let's talk. Taigo, ça sert à rien de dire que c'est pas toi. C'est toi, on a toutes les preuves. Maintenant, on essaie de savoir les raisons pour lesquelles il nous fait chanter. Est-ce qu'il veut de l'argent? Est-ce qu'il veut une photo de nous? Let's talk. Vas-y, mais je peux pas quitter. Comment je quitte? Je quitte. Donc là, il essaie de me faire ban. Mais ça marchera pas, vous inquiétez pas. Ça peut pas être ban comme ça. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais c'est ça, c'est bah, ça un truc qui vient de lui, on peut pas être ban. Il me met des musiques qui nous rappellent les heures sombres de notre histoire, mais... Attends, je te demande qu'est-ce que c'est comme genre de musique. C'est des musiques. Est-ce qu'il y a des instruments de musique? Oui, c'est des musiques orchestrales. Bah du coup, je vois pas ce que c'est. Non, je la connaissais pas, mais apparemment les gens la connaissaient. Ah d'accord. Mais c'est curieux que ce mec-là me spam de ouf, d'invite très très fast et ça me. Je me demande, mais ton profil est privé? Bah ouais, enfin, je l'ai même bloqué. Taigo me dit Ricoré s'est déconnecté quand j'ai vu ma liste d'amis. Je dis rien. Ricoré. Tiens. Genre, c'est qui ce mec? Est-ce que c'est lié? C'est bizarre, non, lui, quand même. Ce qu'il fait. T'as pas vu. Genre ce qu'il 13 fait. Ans ce de qu'il développement fait... web pour ne pas trouver quelle mais non, qui mais est la source. Ce qu'il fait, ce que le mec est en train de faire, de m'inviter en boucle, mais genre très très vite comme ça, c'est pas normal. Personne peut faire ça. Enfin, sinon tout le monde le ferait. À part des gens experts dans le chantage. Genre c'est un mec qui a jamais utilisé un autre pseudo, qui a aucun profil Steam. Genre c'est un peu. C'est pas net. Les mecs, on est en train de s'égarer parce que il y a des milliers de personnes là qui nous regardent. S'il y a un gars qui décide de te faire une blague et qui est un peu chaud dans ce genre de farce et attrape, peut te faire croire que c'est lui. Réfléchis là. Je l'ajoute. Attends, on peut faire un call à 3? J'aimerais trop parler avec lui, mais je lui parlais, il voulait pas me répondre. On peut peut-être faire un call à 3.
toute façon, il voudra jamais. Il voudra jamais parler. Ah? C'est normal qu'il soit dans mes parties précédentes? Est-ce que c'était qu'il était en spec ou est-ce que c'est parce qu'il m'a ajouté dans son truc? Attends, si c'est dans tes parties précédentes, il est dans mes parties précédentes. Forcément qu'il a joué avec toi. Donc, s'il n'était pas en face de nous dans l'équipe, c'était le spec. Il y a 8 minutes. Et c'est les lui autres? Toi aussi? Regarde dans tes parties précédentes, Terra. Comment on fait? Joueur, contre, enfin shift tab et joueur et joueuse. Shift tab, joueur et joueuse. Gno 22 328. Attends, tu vois ça où, joueur partie et joueuse? Partie précédente. Dans contact, quand tu fais l'overlay Steam. Contact, joueur et joueuse. Tu vois un partie précédente? Partie précédente, il s'appelle comment? Gno. C'est un truc en feu. Je l'ai. Gno. C'est 22, lui. C'est 32, vraiment 8. Lui. J'ai résolu l'énigme. Mais maintenant, faudrait que j'arrive à lui parler, mais j'arrive pas. Enfin, je l'ai ajouté, mais je crois pas qu'il... Il veut pas m'ajouter. Alors, attends. Si on a pas... Si moi, il m'a pas ajouté, je crois pas. Parce que je sais pas où est-ce que ça pourrait se voir, les gens qui... Ce qui t'ajoute directement via CSGO, c'est ça? Ouais, il m'invite en chaîne dans son groupe. Ok. Et moi, j'ai pas eu de demande de sa part. Donc, ça veut forcément dire que s'il était pas en face de nous... C'était le mec qui était en spec. Si c'est le mec qui était en spec, c'est qu'on a trouvé le gars. Ah, c'est lui. Dedos. Mais je ne peux même pas l'ajouter en ami. Ajouter au contact. En fait, dis-toi que lui, il se voit en direct là, sur ton oui, live. Bah oui, bah il est content, je sais. Non, mais je sais, est-ce que du coup il va se dire ok, j'accepte? Je sais pas. Invitation envoyée à Gno. En ligne. Ouais, t'es en ligne. Allez, Gno. Putain, c'est vraiment lui, ça. Quoi. C'est incroyable. On est à ça. C'est fou, ça. C'est un monde. Il a juste pris un stream. Il prend le stream le plus populaire sur CSGO et il se fait plaisir, le mec. Pas sûr, ça. Pas sûr du tout. Quoi, tu penses qu'il nous connaît? C'est même étrange. Oui, moi je pense qu'il nous connaît. Regarde, c'est juste un mec qui a mis un pseudo random avec quand un pseudo random. Quand il m'invitait dans son groupe, il y avait un gros drapeau allemand à côté. Je sais pas ce que ça veut dire. Je pense qu'il nous connaît. Je sais pas. Il accepte pas la demande d'amis. Ouais. Ajouter un surnom. Ah! Big Hacker. Il m'a ajouté. Ah non, invitation envoyée. Merde. Ouais. Ah, il joue à CSGO. Pardon. Ça me dit qu'il joue à CSGO déjà. Moi non, ça me dit juste qu'il est en ligne. Toi, tu le vois en train de jouer à CSGO? Ouais. Ça, c'est marrant parce que pas moi. Regardez. Je vous le réaffiche. Il est sur CSGO là. Vous voyez? Ah voilà, tu vois, quand Ours Aveugle là il m'invite, il y a un drapeau français. Lui, il y avait un drapeau allemand. À cet endroit là. Mais tu peux pas voir mon live, mais. Attends, si je peux voir. Ah merde. Ouais, ouais. Bah ça, il y a un drapeau. À la limite. Ouais, non, il peut le manipuler, mais bon. Bah ouais, ça bah, bien c'est sûr, rien. Mais bon. Non, moi je pense que c'est quelqu'un qui nous connaît. VPN. Ouais, non, mais je sais bien. Mais bon. Mais c'est marrant que toi, tu le vois dans un jeu CSGO et pas moi. Bah ouais. Moi, je le vois juste en ligne. Je comprends pas pourquoi. Eh, ne l'ajoutez pas tous, hein. Bah voilà, de toute façon, il n'y a rien d'autre à faire. Hein.
C'est... Mais comment on peut lutter contre ça? Je sais pas. Le fait qu'il arrive à m'ajouter en chaîne, je comprends pas, en fait. Comment il fait ça? Comment il... Quand je pense que c'est Faigo depuis le début... ça me tue, quoi. Genre, vous voyez cet onglet là? Est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'il peut me trouver dans mes... C'est vrai qu'à un moment, vous avez vu, quand il m'a ajouté, il s'appelait Kite. Oui. Lui, là, c'est bizarre, son nom, c'est Kite. Et pourtant, ça me renvoie chez Gno. C'est bizarre, ça, non? Bah, il a changé de nom. C'est que ça s'est pas mis à jour, certainement. C'est pour ça, quand tu me dis drapeau allemand, on s'en fout. Je veux dire, le gars, il a évidemment pas mis son vrai pseudo, ni sa vraie PP, tu vois, il a juste... changer tout sur un compte nouveau. T'as simplifié les pseudos. Ah oui, c'est vrai. My bad. Pourquoi moi, il veut pas m'ajouter? Et pourquoi toi, il veut pas t'ajouter? Décerner à ce profil une récompense de la communauté. Ouais, donne-lui un petit médaille. On va lui donner... Attends, j'ai quoi comme médaille? Une médaille. Ouais, je dois avoir une médaille. J'en ai une parfaite. Bouffon. Bon bah... Tant pis. Ça n'a pas été assez loin l'enquête là. Bah ouais, il veut pas. Et comment... Enfin moi c'est... Tout le mystère c'est comment il rejoint les games. Parce que même si on l'a identifié, comment il rejoint les games? Parce que si... J'ai un doute sur le fait qu'il ajoute les mecs en face de nous. Franchement, j'ai un gros doute. Après, le fait, qu'il ait un peu mis du temps à rejoindre en spec, c'est ça qui m'a... Après, peut-être que ça lui prend du temps à trouver, mais je comprends pas pourquoi. Comment il rejoint? C'est ça que je comprends pas. Il peut pas retrouver nos matchs via la diffusion. Je pense pas qu'il ajoute un dégât qu'il a en face. C'est curieux tout ça. Moi je vous le dis. Les gars, tout le monde peut la rejoindre. Non, mais non, personne peut la rejoindre. Enfin, sinon, vous l'auriez fait. Sinon, tout le monde l'aurait fait, donc non. Non, il y a vraiment qu'un mec à chaque fois. Parce qu'il peut ajouter quelqu'un en face, mais je pense que les gars en face nous l'auraient dit dès que ça a commencé à être des dos, quand on a posé la question. D'autant plus qu'ils ont vu que c'était pas nous qui étaient question dans la merde, puisqu'on dominait la game. Vous savez, moi je trouve que c'est étrange tout ça. Voilà ce que je pense. Alors, vous pensez quoi? C'est que j'ai raison. Qui est le plus con alors? Bah ouais. J'ai sûrement raison sur ce point-là. Tiens, c'est quand même une sacrée histoire. Hein. Parce que comment on s'en dépatouille de cette histoire? Ça m'amuse bien quand même. Hein. Parce que là, c'est-à-dire que la seule chance qu'on a, c'est de croiser les doigts pour que le fait qu'on ait anonymisé les noms et changé les PP, ça suffise pour qu'il n'y ait plus personne qui rejoigne. Exactement. Et si c'est pas le cas. On est juste foutu. Ça en gros. Ouais. Les specs... Et il faut qu'à chaque fois que des gens qui rejoignent notre game se mettent en hors ligne sur Steam. Alors. Bon bah. Ouais.
Il veut pas m'ajouter, donc... On aura jamais le fin mot de cette histoire. Hein. Alors que là, il aurait l'occasion de passer son message. Ouais, tout ce qui va passer, c'est une musique de merde. Ah, c'est le même mec qui t'a passé la musique, là? Ah oui, c'est lui. Ah. Ah, ça t'ajoute donc un réel maître un chanteur. Tout un élément à ton enquête, il veut nous faire ban. Ouais, bah ouais. Clairement, alors... Ah, ça c'est un gars qui a vu les chiffres d'affaires Twitch leakés et qui est à cran. Il s'est dit, ah putain, les salopards, je vais faire baisser le chiffre d'affaires. Il a remonté ses manches, il s'est dit, et maintenant ils seront plus autant, c'est parti. Mais on a son profil Steam. Qu'est-ce qui nous empêche maintenant de payer des gens pour lui nuire? Je vais te faire livrer des pizzas, Pushy. Ça me saoule. J'aimerais bien parler avec lui. Je pense que c'est pas quelqu'un qui a... Mais non, mais tu crois vraiment qu'il va montrer sa vraie voix? Non. Écrire. Ouais, avoir un élément, contre, quoi. Il pourrait au moins faire ça, ce trou du cul. N'importe quoi, tu vois, qu'on rigole un peu plus, que même lui, il rigole un peu plus. Et c'est lui qui t'a ajouté d'abord, avant que tu le trouves. Ouais. Il m'a ajouté après le premier DDoS. Enfin, il m'a invité en game après le premier DDoS. Et il m'a dit des trucs au micro, mais j'ai rien compris. Enfin, c'était des trucs chelous et c'était pas sa voix, je pense. Après, on a lancé une game et après, il m'a réajouté après le deuxième DDoS. Donc, c'est-à-dire, il se cachait pas, genre, tu l'as trouvé dans la liste, mais en fait, il se cachait même pas. Non, c'est lui qui m'invitait. Je l'ai retrouvé dans la liste. Parce que je connaissais son pseudo, en fait. Parce que c'est lui qui m'a ajouté. Alors ça... On va faire une enquête. On va en faire une vidéo sur la chaîne principale. Et on appellera la communauté à résoudre l'enquête. Heureusement, je ne suis pas sûr que ça aille très loin, cette histoire. Non, mais si vous avez une solution, une vraie... Hein. Pour que nous, on puisse faire des games normales. Là, le seul truc que je vois, c'est... On a passé des PP en anonyme, on a passé des pseudos en face en anonyme. Il faut que ceux qui rejoignent notre game se mettent en hors ligne une fois qu'ils sont dans le lobby et avant qu'on démarre le match. Et une fois qu'on a fait tout ça, on devrait techniquement être safe. Normalement, ouais. Et si jamais, malgré ça, ça marche pas... C'est que tout ramène à Flygo. Mais Flygo, s'il avait pas des amis allemands aussi, putain, il casse les couilles. Bah ouais, il fait chier, hein. Le mec, ça y est, il a fait Erasmus en Allemagne, il nous pète les couilles. Ouais. Parle allemand dans le chat. Pourquoi il veut pas parler? T'attends vraiment qu'il te parle? Mais j'attends moi qu'il m'ajoute, qu'on rigole quoi. Mais là on rigole pas. Oh, putain, mais heureusement que je capture pas mon écran, Flygo, il y a une grosse bite sur la conversation Steam. Mais arrêtez de vous envoyer des queues aussi, putain. Non, mais je viens de comprendre, c'est moi qui lui ai envoyé. Mais ça l'a réaffiché du coup. Ah d'accord, bah arrête de lui envoyer des queues. Ouais, mais il était en live, je trouvais ça très drôle. Ah d'accord. Elle est bien. Genre moi, si je veux, je peux spammer. T'es vraiment en train de chercher non, comment je... il a fait pour J'essaie le faire de spammer un mec dans l'onglet recherche de match. Genre je peux pas spammer le même mec plein de fois. Je peux pas en fait. Donc lui comment il fait en fait? Ça fait partie de son shit en fait. C'est sûr. Mon père est modo Steam, hein, si tu veux. Il faut qu'il nous aide.
Ouais, c'est impossible qu'il invite aussi vite. C'est impossible. Bah, je veux dire que un spam click ne suffirait pas avec une macro. Non, parce que j'ai 7 spam clics des gens dans la recherche de match. Et je peux pas. Fraser alors. Mais attends, C'est le mec un peu con à chaque fois. c'est qui comprend pas trop. Mais qu'est-ce qui a bien pu lui arriver dans sa vie en Allemagne pour qu'il nous en veuille? Moi, Qu'est-ce qui se genre, passe? je mets pas un billet sur le fait qu'il soit vraiment allemand. J'ai un doute. Étant donné que c'est Si, pas la si. première fois, Il est très allemand. Si, si, si. j'ai un doute. Il est extrêmement allemand. Je le connais, le mec, hein. Il a toujours été allemand. Non, parce que. Ok, mais alors dans ce cas-là. Attends, attends. Quand le mec est arrivé dans le chat là, le premier maître chanteur, c'était. Est-ce que t'avais déjà montré un indice comme quoi il pouvait être allemand? Oui. Le dé de sœur? Ouais. Oui. Parce que Et tu il l'as dit m'avait explicitement ou ajouté. juste on l'a vu Non, je l'ai pas dit. Non, mais c'est non, c'est j'ai dit ça parce qu'il m'a enfin, j'ai rien dit, mais juste il m'ajoutait en chaîne avec son drapeau allemand là avant la Ok. game. Ouais, je Donc vois. Donc non, ça peut être un fake parce que sinon on a peut-être ban un mec dans le chat. Non, bah il accepterait de te parler sur Steam s'il parlait Ouais, c'est dans le ça. chat Twitch. Ouais. Comment on dit Attends, en allemand, attends. Attends, Je crois que les gens ont essayé de lui parler allemand dans le chat, mais je crois qu'il s'en bat les couilles. Je crois qu'en fait, lui, tu vois, il est dans son niveau le plus bas de faire chier, tu vois. Il attend juste qu'on lance une game pour la DDoS. C'est tout ce qu'il fera dans sa vie, en fait. Il va pas du tout nous parler ou quoi, il veut juste DDoS les games. ok, je vais tenter un truc. Donc. Oh putain, c'est dur. Mais je vais essayer. Fugens of Steam. In the wir wollen mit dir reden. C'était pas mal. Normalement, là, je peux pas faire mieux. Ouais, tu m'étonnes. Le message est passé. La balle est dans ton camp. Auto, t'as fait un effort quand même. Là, Ouais. faudrait penser à. Bien, Big Hacker, là, c'est maintenant. Alors. Après, il s'est peut-être fait ajouter par plein de gens aussi depuis le temps. C'est aussi le problème. Son compte a été créé le 9 août. Tiens, tiens. Comme par hasard. Y a quoi le 9 août? Bah, c'est 2 jours après mon anniversaire quand même. Ben tiens. Bon, on se rapproche quand même vachement de la solution là. C'est bien ce que t'as trouvé. Il n'a aucun ami. Ça, on le savait. Il n'a aucun ami. Rien. Ça a vraiment été créé très récemment, ce compte Steam-là. On s'est fait des doses vers août. Non. Ah, la soirée où on s'est fait des doses, c'était quand? C'était très récent Mais là, je pas suis du complètement tout! fou là. Mais pas On est du en octobre, tout! mais pas du tout! Mais pas On du... est insupportable. On est en octobre. Non mais C'était il y attends, a, non je mais dirais, attends. il y a même pas 3 semaines qu'on s'est fait des doses. C'était quand? Moi! Mais non, mais t'es malade! Non mais La première fois qu'on attends. s'est fait des doses, où il y avait le fameux inspect, c'était il y a pas si longtemps que ça. Mais Mais t'es il est fou, mon fou, pauvre vieux il est là. Mais t'es complètement malade! fou. Tu crois que ça fait combien de temps? Quoi? Dans ta tête, ça fait 3 mois, mais tu es malade! Non mais attends. Et c'est quoi le CSGO Friend ID? C'est pas le code ami Steam que t'envoies quand tu veux ajouter quelqu'un? Bah non, là c'est le En ami? CSGO Friend ID. Alors c'est quoi ça? Ah!
Moi je comprends plus là. Non parce que... C'est... C'est curieux cette histoire. Mais là, ça fait déjà des infos. Ça fait, si tu veux mon avis, ça fait trop d'infos. Ça en devient même suspect. On sait trop de choses. On m'entend là? Oui. C'est bon. Quelque chose à dire? Salut mec. Rien à dire, je n'ai rien à dire. Alors, non, mais on fricote avec des Allemands? Mais j'ai fait arrêter. Alors, j'ai rien fait. On parle aux Allemands? Bah écoute, une simple question. Tu as choisi élevé de quoi? Mais espagnol. Oui. Ok, dis-moi, je m'appelle Flygo et je vais bien aujourd'hui, en espagnol. Hola, me llamo Flygo y soy bien. Je sais pas comment on dit aujourd'hui. Ah ouais. Bon, on sait pas dire aujourd'hui. C'est quand même bien le... dire là, monsieur. Eh bah tiens. On étudie ça le troisième jour maximum. Peut-être Todos, peut-être Todos, je sais pas. Oui, peut-être Todos, ouais, c'est vrai. Peut-être Todos ou peut-être Kartoffel Salad, on ne sait pas. Non mais, il faut me lâcher, monsieur. Bon. Bon, tu diras à ton pote que pour ce soir, on a abandonné. Ouais. Tiens, ça c'est, je te donne le, ça c'est les infos de ton pote, je te les envoie. Enfin, gentil, vas-y. Tu lui diras, on sait qui tu es. Si tu ne continues pas, on a les moyens de te nuire. Plus qu'avec tes simples dédos. Ok, attends. Mais je dois faire quoi? Tu diras à ton pote, Gno, qu'on a ces infos. On a tout. Adresse, Steam ID, numéro de téléphone, et que s'il ne continue pas, ce sera sur Internet. Ok. Et crois bien que le gouvernement allemand okay, ne rigole merde, pas du tout avec le DDoS. D'accord. Bon, bah, je lui dirai. Attends, les gens demandent est-ce qu'il a supprimé son compte. Pourquoi il apparaît... Attends. Non, il est encore là. Il est encore là. Ah, par contre, il est hors ligne. Toi, tu l'as vu. Il était en ligne chez toi, Terra. Moi, il est hors ligne pour moi. Alors, l'un que le voit sur CSGO, moi je le vois en ligne. Toi, CSGO. Tu le vois hors ligne. Ouais. Ouais, bah c'est bizarre cette histoire. Non, mais alors, si tout le monde voit des choses différentes, c'est le serpent qui se mord la queue. Je dirais. Parce que là, on est trois et on voit tous les deux, enfin tous les trois en statut différent. Peut-être qu'on a ajouté le mauvais Gno. Attends. Il est introuvable pour moi. Putain, mais la grosse bite là. Des gens ne le trouvent plus apparemment là. Ah, ouais. Mais c'est. Attends, moi je le trouve. Idée, il est trop le trouve. C'est parce qu'il faut pas changer son pseudo Steam, je crois. C'est marrant, sur le site que je t'ai donné, Terra, on peut plus regarder. Ah. Quoi? Bah si. Ah oui, ça me... J'ai toujours... On peut checker son compte. Non mais sur Steam Community, on peut. Mais sur le site steamid.uk, où je checkais ses infos de quand il a créé son compte et tout. Effectivement, là c'est fini, on ne peut plus. Alors j'ai pris un screenshot. Mais que ça... j'avais pas actualisé quand tu me l'as dit. Mais ça... Ça, les amis, c'est énorme. Comment c'est de l'or en barre. Waouh. Mais putain. Non, mais là, non, ça veut dire que le mec, il sait ce qu'on fait. Il allait regarder. Il a vu que j'avais drop le lien. Attends. Ah, tu l'as drop le lien. On va voir s'il y a Gno dans ton chat. On va voir s'il y a Gno dans le Donc, chat. Donc, qui sait Gno. The man knows. Non, il n'y a pas Gno. Ça serait quelqu'un d'autre. Il tente de supprimer les preuves, mais oui, parce qu'on est en train de le coincer, oui. On est trop fort là. Mais oui, il voit que l'étau se resserre. Aïe, 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 aïe. Le mec est foutu. Il J'ai est rien foutu, fait. Le on va lui tomber dessus foutu. Tu nous entends? Tu t'es attaqué à un plus gros poisson. Ouais. Tu es mort. Même pas Twitter, il a rien. J'ai trouvé les chats de pseudo, il a rien du tout qui sur Google. Non, mais ça c'est forcément un faux pseudo, il a rien d'identité, mais il y a un truc sur lequel il peut pas mentir. C'est son Steam ID. Eh, il m'a ajouté. Oh non. Il m'a ajouté. Attends, Link, peut-être qu'il t'a ajouté. Peut-être qu'il t'a ajouté, Link aussi. Tu m'as ajouté, moi. Tu te fous de ma gueule? Il m'a ajouté. Non, je me fous de ta gueule. Je l'ai. Il t'a ajouté. Je l'ai. Je peux lui parler. Il nous a ajouté. Je peux lui parler. Aussi. Je peux lui parler. Attendez, les gars. Attendez, doucement. Oh putain. Hello. I am ready to negotiate.
Ok, il a dit ok. Il a dit ok. Oh putain. Énorme. Je veux pas afficher la conversation. Ok, don't worry. I am not worried. You seem like you a nice guy. Bien sous tout rapport. Non, je veux pas montrer parce que ça se trouve il va mettre des grosses croix gammées et tout. Je veux pas. Il va peut-être s'énerver d'un coup. Ou des grosses bites, peut-être que c'est moi. Ah non, j'ai vu à Alain, figure-toi que parmi tous les leaks Twitch qu'il y a eu, il y a aussi le leak Twitch des réglementations concernant les bannissements des gens oui. qui circulaient en interne. Il est stipulé que si il y a un truc pornographique qui est affiché sur ton live, mais que tu as les réflexes ou la volonté de le désafficher, il donne un exemple. Quelqu'un qui l'afficherait sur Discord d'un coup, quelqu'un qui le montrerait dans une conversation ou quoi que ce soit, tu n'es pas banni. Du cul. Un okay. peu comme un Domingo qui montre voilà, un vagin qui mouille un instant plusieurs fois de suite et qui est pas ban. Parce qu'il deux a fois, dit hein, oh voilà, faut plus l'afficher. C'est très fort. Je lui ai dit que c'était donc. Un mec sympa et il m'a répondu juste good luck, I say if I ready. Ready for what? Après, il faudra peut-être faire le monsieur robot là, faut peut-être parler un moment. Je lui ai dit what do you mean? C'est... Ouais, c'est bon à savoir, tu mets la bite du coup sur le live et faire genre que tu veux pas la mettre. So, you say if you're ready? What do you mean? What do you mean? Please, ready? Please talk. I'm not ready. Ok, je rejoins sa salle d'attente, attends. Oh putain, attends, je suis dans sa salle d'attente. Attends, je rejoins la salle d'attente. Mais je vais peut-être devoir couper le son du live, hein. Les gars, je vais peut-être devoir couper le son du live, peut-être. Dis un vilain mot. Je lui ai dit what do you mean, il m'a répondu ok, avec des points de suspension. Et... Hello. 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 Hello, Gno. Hello. Do you want to talk? A little bit. Gno. Hello. What do you want from us? Do you want money? Non mais il va pas déjà sur ça, il va commencer à négocier. Ah, il a dit ok, okay merde. Oh, so putain. It was money. Okay. Sizer, il fait un gubis avec Sizer. How much do you want? $10? $20? Not $30. J'essaie de lui faire comprendre qu'on n'est pas très riche. Avec un peu de chance. J'ai un euro, voilà. Hello. Bon, en fait, peut-être répondre un jour, monsieur. Allez. No? Mais il fait des bruits bizarres. Et voilà. Non mais il a mis... Attends, mais en plus on dirait, tu sais, qu'il a cherché sur son téléphone la musique. Alors, il a mis le volume à fond et il l'a mis avec son téléphone le son. C'est vraiment le setup le plus pété. Attends. Quoi? Non. Tu sais, on dirait que t'as fait le truc du... Ouais, rester en téléphone avec lui au moins 2 minutes pour qu'on triangule. Ah déjà il m'a dit sorry en privé, j'ai dit no problem. Je pouvais pas m'empêcher. Attends, je teste un truc. Déjà je vais vérifier un truc. Attends, je peux pas le dire encore. Non, tu ne peux pas lui envoyer 3 kilos de fumier chez lui. Attends, je passe la commande et je vous dis après. Attends, j'attends sa réponse, je vais lui demander un truc. En
Entre-temps, il m'a dit yes, I have problem. Oui, putain. Bon, bah. Des gros problèmes. Petite licence Vest Mode, hein. Ça coûte pas cher. Raffiche quand même toutes ces infos. Voilà, au cas où j'aurais plus le screen pour que tout le monde ait bien de son côté. Voilà. Donc là, vous avez l'adresse. Voilà, ce serait dommage de perdre toutes ces infos. Numéro de téléphone. Je ne crois pas ce qu'il est en train de me dire. Il est en train de me dire des il trucs. Il dit qu'il est mon père. Je ne crois pas. J'en crois pas un mot. Oh, c'est lui. C'est vraiment le mec du chat. C'est vraiment lui. Je lui ai dit Are you machin on Twitch. Il m'a dit yes. Après je lui ai dit si tu l'es, dis bananas dans le chat et il vient d'écrire bananas. Donc c'était vraiment lui. C'est vraiment Nicht Vergessen. J'ai rien fait. Hein. C'est ton ami allemand, Flago. Non, j'ai rien fait. I am German. Attends. Yes. Je te. Warum tust du das? Je lui ai dit pourquoi tu fais ça. Ah bah non, je lui demande pourquoi il y a des doses, hein, écoutez. C'est... Tu veux pas lui dire comment il fait plutôt comme ça? Attends, j'ai un détail intéressant. Il suit Wankisu depuis le 19 septembre 2021. Soit la date où il y a eu le premier DDoS. Ah, comment t'as su ça? Ben c'est marqué, faut l'avoir depuis le 19 septembre 2021. Mais tu... Ah, avec Steam? Avec Twitch? Non, avec... oui, Twitch, je clique dessus, c'est marqué. Et son compte a été créé le 3 septembre. Quel bouffon! Il m'a dit « Because we play Squid Game oh. !» Aussi, are il you... a Squid Game en septembre, il est con. Are you 12 year old? Il est complètement con. You sound like you are... Ah putain. Squid Game, il a dit. Oh bon sang. We play Squid Game. C'est très grave. I want to play Roblox with you guys. Oh, il a vraiment dit ça, putain. Let's play Fortnite. Do you see the Netflix show? It's amazing. It's je lui ai dit, tu as l'air d'avoir 12 ans, et il a dit, merci, tu as l'air d'en avoir 54. Bon bah je vais dire goodbye, hein. Maintenant qu'on sait qui c'est, ça me fait plaisir. Voilà. Bon bah voilà. Ok, goodbye. Donc on a un Allemand de 12 ans, fan de Squid Game, qui nous dédose, on ne sait pas encore comment exactement, mais bon, on a son Steam ID. On le sait. Bon, je le délète. On hein. sait qui je c'est. Peux le garder dans mes amis. Hein. Non, bah non, faut pas exagérer. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ah non, alors bon, là, je le délète très peu pour moi. Hein. Je le délète aussi, vous en faites pas. Ah, moi, très peu pour moi. Hein. Je vais bloquer toutes les communications. Mais si on le bloque, on peut le recroiser ou pas ou, Oui. On peut quand même le croiser. C'est mal fait, Steam. Hein. Bon, vous l'avez banni du chat, le sombre enculé, là. Comme ça, il voit pas le chat, c'est marrant. Ça, c'est ban. Attendez, je le banne. Peut-être qu'il a 13 ans, hein. À la fin de tout, il y a un 13. Bloque-le sur Twitch. Oui. De toute façon, ça, en vrai, se recréer un compte Twitch, ça prend vraiment 5 secondes. C'est vraiment pas compliqué. Là, pour le coup... C'est même un plaisir pour lui. Par contre, maintenant, il y a la vérification du numéro de téléphone et tu peux pas faire plus de 5 comptes sur le numéro de téléphone. Mais bon. Steam ? Non, Twitch. Ça, c'est si jamais tu actives l'option. Ouais, faut activer l'option. Ouais. Ouais. Et on va pas le faire. Non. Donc. Bon. Eh bien, écoutez, sympa l'enquête. On a résolu le mystère en quelque sorte. Ouais,
Ouais, sauf que bon, ça nous permet pas non plus de jouer à CSGO, quoi. Oui, mais c'est... ouais, mais c'est pas moi. Oui, bah, c'est pas toi. Oui, c'est pas toi. Oui, enfin, dis-le jusqu'à preuve. Ce n'est pas moi. Jusqu'à preuve du contraire. Voilà. Vous, attendez, mais j'ai pas vu que vous avez été hack quand je suis parti après. Non. Pas du tout. Une fois que t'es parti, il n'y a plus rien eu. Non, il ne s'est rien passé. Je sais pas quand je suis... Et je suis revenu, il y avait un bouton déconnexion. Where is Flygo? I can't Where is my best friend Flygo? Ah, d'accord. Ouais. Non, tais-toi. Voilà, on peut t'entendre parler plus. On s'excuse. Bon. Écoutez. Non, mais c'est... Ouais, c'est bien, c'est bien. Ça, c'est du contenu, ça. Et sans le savoir, c'est... il a fait du sacré contenu. C'est dingue. Quel plaisir. Ça, imaginez, on fait un best-of de ça, c'est une enquête. Mmh, c'est cool. C'est vraiment cool. Ah, voilà. Chouette, chouette, chouette. On peut plus jouer à CSGO. Ouais, bon, bah, on trouvera un autre jeu. Hein. Non, mais je pense qu'en vrai, là, on est sur une bonne piste. Faudrait essayer les... Avec les pseudos anonymisés et tout, voir... Ah, mais attends, si ça se trouve, il peut rejoindre le groupe Steam Wankill. Et via le groupe Steam Wankill, est-ce qu'il a moyen de spec? Il est pas dedans, j'ai regardé. Et je crois vraiment pas qu'il puisse avec le groupe Steam. Ouais, sinon d'autres gens l'auraient fait avant lui. J'ai vérifié s'il était dedans, mais il était pas dedans. Bon, vas-y. En fait, toi, t'as à dire que ta théorie, c'est vraiment qu'il a ajouté quelqu'un qui était en face. Et que les gens en face ne nous le disaient pas quand on leur demandait. Oui, mais ça se trouve, c'est un super hacker allemand et il trouvera toujours la game avec une raison que je comprends pas. C'est un super hacker allemand, j'aurais peur pour un tas d'autres trucs que juste CSGO. Je me dirais que s'il veut me pourrir la vie, il aura les capacités pour le faire. Ouais. Je sais pas, on verra. Bah, bonne nuit, hein. Bonne nuit. Et faites attention. Faites attention sur Internet. Au revoir. N'est jamais trop prudent. Ah, mais si vous avez NordVPN, ça peut vous aider. Ah, notre partenaire et sponsor NordVPN. On vous le dira peut-être jamais assez, hein. Vous n'êtes pas en sécurité. Ça, c'est... On l'a prouvé ce soir. Hein. On n'avait pas activé NordVPN. On n'avait pas activé ce soir. On le réactivera la prochaine fois. Salut. Allez, au revoir.